tout le monde, c'est Super Brioche. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Kingdom Hearts 2 Final Mix. On était resté dans le monde de Pirates des Caraïbes. On devait aller sauver tout le monde parce que tout le monde est en train de crever. Ils veulent sacrifier Will pour que le sang soit versé en offrande, enfin tout ça, tout ça. Mais avant, je voulais revenir sur 2-3 trucs que vous aviez dit en commentaire. Je bafouille déjà après 30 secondes d'épisode. Donc j'ai désactivé la compétence Trinité déjà parce que de toute façon j'ai pas dingo puisque j'ai gardé le capitaine Jack Sparrow. Donc j'ai désactivé ce qui m'a permis d'activer alors je crois que c'est frappe ascendante que j'ai voulu tester. Et j'ai réactivé Pétale Garde que j'avais désactivé, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas comment ça se fait que je l'avais désactivé parce que c'est très important mais... Bon, je sais pas trop pourquoi. Voilà, qui permet de pas se faire couper quand je fais un soin. Donc c'est très très important. Voilà. On va également tester ce bidule chose, qui est donc un boss optionnel. Que je vous rappelle, c'est censé être les membres de l'organisation que j'ai tué dans Rechain of Memories. Je suis pas dupe. Je sais que c'est un gros piège que vous me tendez là. Je n'ai absolument pas le niveau. Je suis persuadé de faire un game over là-dedans. Mais on va le tester parce que vous êtes chaud pour aller voir ce que c'est. Donc allons voir. C'est une silhouette spectrale, l'ombre d'une présence gravée dans un objet. Voyons un peu ça. Prenons le risque. Allons-y. Allons nous amuser. Voyons voir à quoi ça ressemble du coup. Où est-ce que j'atterris d'abord? Parce que c'est la grande question. Est-ce que j'atterris dans le manoir? Par hasard. Oh, bien sûr en plus. Une des pires. L'Arxène. Cette biatch là. Alors elle utilise, je crois, la magie foudre. Elle est très très rapide en plus. Bon, le game over devrait arriver très vite. Alors bonjour. Je sais pas ce qu'on remporte à faire ces combats par contre. Oh là là, mais regardez toute la vie qu'elle a. C'est horrible. Oh là là, oh là là, boum boum boum. Allez. Est-ce qu'on lui donner des coups? Hop, 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 hop. Je prends déjà bien cher. Je prends déjà bien cher. Merci, Donald. Merci, Donald. Tu es trop rapide, madame. Allez, prends-toi des trucs. Mais elle se téléporte, quoi. Elles sont combien? Bon, ok. Ok, voilà. On est content. On a vu. On a perdu. Charger une partie. Voilà, on va carrément revenir en arrière. J'ai pas envie de subir cet échec. Voilà. Donc c'est ce qu'on a, on a tout vu, voilà, vous êtes contents. Je suis tombé dans le piège, oh mon dieu. Donc ces trucs là, on les fera peut-être à la fin du jeu, parce que là pour l'instant c'est pas bon. Je sais pas s'il faut vraiment être à la fin du jeu, mais en tout cas il faut avoir un niveau supérieur au monde actuel. Donc peut-être que l'ancien, celui des enfers, je peux peut-être le faire. Maintenant j'ai peut-être le niveau, mais bon. On verra ça plus tard. Allons sauver Will, allons sauver Elisabeth, parce que bon, ils sont pas très en forme là-bas. Ok, direct quoi. Donc vous m'avez bien confirmé, hein, ma fusion sagesse n'augmente pas contre les pirates parce que bah, c'est pas des sans-coeurs, ces petits salauds. Et que toutes les magies leur font très très mal. Mais bon, la foudre est quand même bien supérieure, enfin je sais pas, je trouve. Donne-moi tout ça. Allez Jack, viens vite. Oh, des sans-coeurs, bonjour. Bon, j'ai pas de jauge de flux. Alors vous me disiez aussi la jauge, enfin la fusion sagesse, faut que j'arrête de les confondre parce que sinon on va pas s'en sortir. Est effectivement très très faible en attaque physique, ce qui est logique, hein, c'est une fusion basée sur la magie. Qu'est-ce que c'est ça? Cristal de vitalité. Et que du coup c'est assez pénible parce que dès que j'ai plus de magie, bah elle est très faible. Donc c'est assez difficile de l'augmenter en niveau par rapport à la vaillance, mais bon. On verra. Oh là, oh là, oh là, oh là. Bonjour. Toi, tu vas vite crever. Voilà. C'est bon, merci beaucoup. Jack a pris un niveau. Brave Petio. Bonus PC. Alors ça, j'en ai plein. Il faut que je les utilise. Sora, bonjour. Autre chose, je crois que j'ai... Il y avait un autre truc. Qu'est-ce que je devais dire? Alors les bonus PC, vas-y. Voilà, on est content. Il y avait autre chose, je sais plus ce que c'était. Bon, je retrouverai peut-être au cours de l'épisode. Est-ce que je peux activer une compétence du coup par hasard? Les trucs automatiques, non merci. Moi bon, j'ai rien de spécial. Booster objet, récupéré. Augmente de 50% les effets des objets de soins sur le terrain. Allez, en attendant que j'ai rien d'autre. C'est quoi ça? Ah d'accord, mon arme me donne un booster objet. D'accord, je comprenais pas pourquoi j'en avais deux différents.
Ok, faut vraiment que je pense à aussi appuyer sur carré quand je suis en l'air, ça fait des trucs. Enfin, quand je suis en attaque surtout. Personne ici? D'accord, rien du tout, j'ai même pas le droit d'y aller. Explosion! Voilà! Oh, deux autocollants! Il me semble que je suis censé pouvoir. Ah, mais je crois qu'il faut riposter! Bon, prends les pièces de puzzle. Bref, je sais pas encore trop comment ça marche. Ça y est, j'ai plus de magie. Dégage-toi! Ah oui, c'est ça le truc que vous m'aviez dit. Si j'utilise la forme de sagesse, pour l'instant, vaut peut-être mieux avoir des éthers sur moi pour recharger. Sinon, bah, je ferai vraiment très peu de dégâts. Il fallait que j'appuie sur carré aussi quand je suis en forme de sagesse. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais bon. Je vous donnais beaucoup d'astuces. Et là, un coffre. Bonus PC. Et je crois que quand j'ai plus de MP, ma jauge de flux augmente plus vite. Bonjour, bonjour. Voilà. J'ai l'impression que c'est vrai. Regardez ma jauge de flux. À chaque coup que je donne, elle augmente assez bien. Il y a plein de coffres ici. Allez, revenez la magie. Comme ça, on pourra s'en débarrasser très vite. Viens dans la lumière, toi, parce que là, t'es un peu intuable. Je veux bien un petit objet aussi. Ah, bah, il m'a soigné, genre. C'est bon. Ok, ma magie est de retour. Attention. Hop, tout le monde se fait électrocuter. On va les brûler. Bon, il n'y a qu'un qui s'est pris le truc. Viens là. Viens tituber dans ce sens-là, toi. Et boum. Oh, deux d'un coup. Allez. C'est vrai que la musique de Pirates des Caraïbes, c'est très classe en combat. Vous étiez nombreux à le dire. Il est gentil, Jack, avec ses bombes. Qu'est-ce qu'il fait? L'autre coup, il court n'importe comment. Ces pirates sont complètement gogo. Attention. Et boum pour toi. Et toi, tu veux quoi? Du glacier? Non, même pas. Vous allez crever, s'il vous plaît. Hop là. Ils viennent à l'infini ou quoi là? Attendez, on va ouvrir les coffres parce que j'ai l'impression que... Oh là. Le jeu était un peu fou. Alors il y avait un truc, je sais plus le nom de l'éclat que j'ai pu gagner avec le... En augmentant le mog. J'aime de sérénité. Je sais plus le nom qu'elle a. Mais en tout cas, elle sert à augmenter en puissance quand je crée des objets. Par exemple avec le mog, si je fais un bracelet glacier X, et ben je... avec ce cristal, je pourrais faire un bracelet glacier XX. Voilà. Ce qui est mieux. C'est bon, tout le monde est parti? Oh, j'ai tellement plus de magie, je vais utiliser un soin. Voilà, merci beaucoup. Bon, ok, ça c'est fait. J'imagine qu'on va devoir combattre Barbossa, non? Ça ne m'étonnerait pas. Now, let's be joined us again. The last of the Aztec treasure has been returned. I know, the blood will be repaid to free us from this curse forever. This time for sure. Ahoy! Treasure, mateys! Not possible. Well, probably. We were young and were pirates. Captain Jack Sparrow. Sora. Captain Jack. Goofy, too. So you want to play pirate? Best save the play acting for the nursery. After them! Ok. Allez, on les combat pas, ok. No more play acting now. Thank you, Sora. Oh, where's Jack? Jack, get him! Jack! You're a fool, Jack Sparrow. Et évidemment, il a pas résisté à voler de l'or. Et il s'est fait maudire. Ils sont très très moches comme ça. Jack. Show yourself, Pete. The tide has changed. See? I told you you'd be needing old Pete. Ouh, ok.
C'est pas Barbossa, mais je crois que c'est ça le boss. Hein. Bon, du coup, Jack n'est pas vraiment mort. Théoriquement, si on brise la malédiction, il va de nouveau être humain. Alors, est-ce que je combats juste le truc ou est-ce que Barbossa est avec lui? 20 Barbossa avec l'aide de Jack. Ok, donc c'est Barbossa. Ouh là là, c'est très très sombre. J'aime pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Ah, d'accord, je crois avoir compris. Quand je tue le sans-cœur. Attendez, on va attendre que je sois en nouvelle phase avec la lune là. Justement, quand je tue le sans-cœur, je crois que la lumière de la lune apparaît et qu'on peut le tuer. Double contre. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, 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 voilà. On lui a fait beaucoup de dégâts là. Je vais attendre que le sans-cœur revienne, je suis sûr qu'il va revenir. Prends une petite potion. Voilà. La magie est à fond. Allez, le sans-cœur, reviens, je sais que tu vas revenir. Sinon, je le tue comme ça, hein. Tant pis pour toi. Mais j'essaye de pas utiliser ma magie. Justement parce que j'aimerais bien me transformer et lui faire mal en forme de fusion. Ça pourrait être très classe. Mais j'ai l'impression qu'il veut mourir comme ça. Y a pas de souci, ça m'ira aussi. Get tout mou, Barbossa, t'es tout mauvais. T'es tout mauvais. Oh, j'avais une... Allez, allez, vas-y, j'ai une commande réaction là. Ah, je suis complètement raté là. Ah, voilà, ok, alors attendez. Je peux plus reprendre un objet. Prends un objet. Trouve le sans-cœur, on va le finir à la forme de fusion. Ah, il est là. Boum. Fusion sagesse. Allez, viens, Barbossa. Tu vas tellement crever. Boum, boum. Ah, tu me diras. C'est pas terrible finalement, hein. Alors attends, si j'appuie sur carré, qu'est-ce que ça fait? On m'a dit d'appuyer sur carré. Ça fait rien du tout. Bon bref, si on l'achève comme ça, même si je tape pas très fort, c'est bon, voilà. Ah, j'ai gagné une jauge de flux. Ce qui ça n'est pas rien du coup. Bon, ça donne pas d'XP du tout à ma jauge de... Enfin, à ma forme de sagesse. Mais c'est pas grave. This ain't over. Right. Care to surrender, Barbossa? Well, enough of this then. What say you we call it a draw? Jack, how many times do I have to tell you? Laugh while you can, Barbossa. I feel cold. Et voilà, du coup la malédiction est brisée et il s'est fait zigouiller. Et je suis en bleu parce que j'ai la classe. J'adore avoir ma tenue de fusion en cinématique. What now, Jack? Whatever I want, now that the power is mine again. That she is. Thank you, Jack. I didn't want you hitting me again, mate. Hey, Jack. Good luck. I remember to be good. I'm off. Will. Et c'est le vent. Good for them. Uh-huh. Hey, Sora, how come your face is all red? What? It is not red. I know who you're thinking about. Ah, on va pouvoir ouvrir un nouveau verrou céleste.
Parfait. Mais de toute façon, on a un autre monde à visiter. Donc là, on en a fini avec celui-là, apparemment. Maintenant, on va aller à Atlantica. Un monde qui d'ailleurs va être assez spécial, hein. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, enfin il me semble l'avoir évoqué, il n'y a pas de combat là-bas, c'est des espèces de mini-jeux. Et c'est un peu cuculant numéro 2, mais je crois qu'on peut également rager là-bas. Et vu qu'on veut le faire très bien ce jeu, bah on va y aller, on va faire les mondes optionnels, parce que c'est important. Je crois que d'ailleurs on a une meilleure fin si on fait tous les mondes. Donc faut qu'on le fasse. You know, for a minute there, I was afraid we were gonna lose Donald to the curse of the treasure. Yup, me too. C'est pas Picsou, hein, c'est Donald. Ah, une nouvelle Keyblade, gouvernail, attire les orbes tombés à proximité. Pourquoi pas, on va la tester un petit peu, hein. Même si on va sûrement perdre un peu en puissance. Vu qu'elle donne pas de force, enfin je sais pas. On va la tester. Ok, alors, juste pour voir, où est-ce que ça m'emmène, ça? Oh là là, mais vers de nouveaux mondes. Ouh! Regardez-moi ça. Un monde bien apprécié. Le monde de la ville d'Halloween, mais pas seulement cette fois. Hein. Je crois que dans ce Kingdom Hearts 2, on peut visiter le village de Noël. Et ça, c'est plutôt classe. Et là, on a le monde d'Agrabah qu'on connaît déjà. Donc, on va pas y aller tout de suite. On va faire un détour par Cuculant numéro 2, donc Atlantica. Et il faut d'abord que j'ouvre ça. Donc encore une fois, je vais le faire en ellipse. Peut-être que le prochain, on se le montrera, parce que ça fait un petit moment. Donc je vous retrouve dès que le verrou est ouvert et dès qu'on atterrit sur Atlantica. A tout de suite. The night sky is so beautiful right after a storm. What would I give to live where you are? What would I pay to stay here beside you? What would I do to see you smiling at me? Where would we walk? Where would we run? If we could stay all day in the sun, just you and me, and I could be part of your world. Girl rescued me. Her voice. Et nous voilà arrivés donc à Atlantica, qui va être, si je ne m'abuse, un niveau complètement musical en fait. On a eu un petit extrait quand elle a chanté. Mais je crois que ça va être que ça en fait. Je ne vais pas chanter, hein, je vous préviens. Sora, Donald, Goofy. Oh, hi there. Forget how to swim already? Kinda, I guess. Then you boys got to practice. You follow Flounder. He'll show you what to do. Come on, Sora, you can do it. Oui, genre on a oublié comment nager. Ok. Moi je dis j'ai pas oublié, faut appuyer sur rond pour nager.
Dis le joystick gauche pour te déplacer horizontalement, le joystick droit pour te déplacer verticalement. D'accord, c'est plus pareil en fait. Suivez la configuration, blablabla. Hop. Wow. Impulsion. Oh. Pelochon, viens voir. Viens par là. Coucou. Attendez, d'abord... On ne déconne pas avec ça. Voilà. Voilà, je sais nager, c'est bon, on se calme. Il y en a d'autres ou il n'y en a pas d'autres? Il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres ici, par contre. Voilà. Suivons Pelochon parce que je sens que sinon je vais être bloqué. Sinon, le jeu voudra pas que j'y continue. Coucou. Voilà, tu tiens le bon bout, tu apprends vite, Sora. Si tu n'arrives pas à verrouiller une cible, rapproche-toi et appuie sur croix. Faut pas que je le suive? Ok, on s'en fout en fait. Parfait. Mais au fait, que nous vaut votre visite sous les flots? Des ennuis? Ça se pourrait, ouais. Mais tout a l'air calme ici. Oui, tout est paisible, tant que papa est de bonne humeur. Nous allons donner un spectacle très bientôt. Que diriez-vous de participer à ma petite création musicale? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je vous en prie, dites-moi. Dites oui. Ou dites-moi. Ça sert à rien, mais dites-moi. Ariel est bizarre, ce temps-ci. Si vous êtes là, elle acceptera sûrement de participer aux répétitions. Ça pourrait être chouette. Allez, c'est d'accord. Formidable. Ok, du coup, on est en train de sauver le monde. Enfin, tous les mondes sont en train de se faire attaquer par les sans-coeurs. Pat est en train de comploter avec Maléfique. L'organisation 13 prépare un mauvais coup. Mais nous, on va faire une pause. Et on va s'amuser un petit peu avec eux. On va faire les répètes. Y a pas de soucis. Voilà, parce que Ariel est amoureuse, Sébastien n'est pas dans son assiette non plus, il est stressé par sa répétition, enfin bref. Pourquoi pas? Je vais donc vous donner quelques instructions. Qu'est-ce que je dois faire? C'est très simple. C'est très simple. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais rager. What? Appuie sur croix en rythme avec la jauge. Appuie sur croix au dernier moment pour faire un bon score. Si tu appuies trop tôt, trop tard ou pas du tout, tu obtiendras un mauvais résultat. Super. D'accord. Appuie sur start pour machin. Ok, vous êtes prêts pour la musique? Je sens que c'est fait le bon moment là. Ouh. En fait, c'est le monde du copyright. Je vais me faire choper mes vidéos à cause du copyright. Respirez un grand coup et décontractez-vous. Prêt? C'est parti. Ok, je serai en rythme. Y'a pas de soucis. Ouh là là là, ça se trémousse. Y'a pas de soucis. Vas-y. Hop 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 hop. Eh. Badass ou pas badass? C'est ça, bah ouais. Attends tout, Donald. La même chose que Sora, montre-nous ce que tu sais faire. Oh là là, oh là là. C'est le plus beau. Quoique non, je pense que Dingo ce sera encore mieux. Oh pff. Un peu décalé, mais tu tiens le bon bout. Ouais, décalé, j'ai même pas appuyé dessus. À toi, Dingo. Tu penses pouvoir faire mieux? Alors à quoi tu ressembles toi? Ah non, c'est clairement Donald le plus beau. Voilà. En fait, faut pas que je parle parce que j'aurai pas le rythme. Je sens qu'on va avoir une musique dans la tête, les amis. Hein. Voilà Ariel qui rentre dans la danse. Suivez le rythme. Ok, vas-y. Oh! Ok, je suis nul. Oh, elle fait la gueule. Hein. Les règles restent la même, battez la mesure. Ok, de toute façon, c'est juste le didacticiel, je fais pas de points encore. Même les bulles s'y mettent. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ok, les bulles sont contentes. Ok, on a fait le didacticiel, c'est cool. C'est très bien. Et donc maintenant. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je ne sais pas trop. Quoi, tu ne sais pas trop? Faites-moi signe quand vous seriez... quand vous vous sentirez prêt pour le grand spectacle. Ok, je sais pas, il me semble... Alors, je me souviens un peu comment ça se passe. Je crois, du coup, qu'il y a plusieurs musiques, mais qu'on pourra pas les faire toutes maintenant. Genre là, maintenant, je viens de débloquer le monde, je peux en avoir une, mais plus tard, il y en aura d'autres. Un peu comme les tournois du Colisée, ça se débloque pas tous en même temps. Il suffit de laisser le rythme vous envahir. Ça va swinguer, vas-y. Allons-y, allons-y. Détendons-nous un petit peu. Acte 1,
Viens nager, super. Alors c'est parti là. On va les avoir en anglais en plus, attention. Supporty. En avant, vas-y, 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 balance tout. Je suis prêt là. Tu ne gagnes rien pour un pas mal, tu perds une note pour un raté. On va faire que des excellents, hein. Moi je vais faire que des excellents. J'ai le rythme là. Vas-y. Balance tout. Je vais pas jouer à Osu pour rien, moi. Swing this way, we'll dance and we'll play around. It's very easy, come on and just take a touch and shake of me. Let the music move you, you can do it! Don't be shy, let the music inside you. Dance, dance, dance. See, you can do it! Swing this way, we'll dance and we'll play around. It's very easy, come on and just take a chance and shake of me. Watch the stage now, how exciting! See the sign, can you reach it in time? I tap, tap, tap. That's it, swing this way, we'll dance and we'll play. Now it's very easy, come on and just take a chance and shake a pin. And if you can't reach the target, use magic. It's all the same if you've got steady aim. Just a oh non, on a fait un pas mal. There, you got the rhythm now. Swing this way, we'll dance and we'll play. Now it's very easy, come on and just take a chance and shake a pin. Ah non, ça y est, c'est la panique. Oh, j'étais chaud là. Oui, bon, j'ai chanté. Voilà, j'avais dit que je chanterais pas. Ah, pas mal quand même. Drum solo, here's the sign, give him the cue. Count him in so we'll know to begin to drum, drum, drum. Now the cues are up to you. Swing this way, we'll dance and we'll play. Now it's very easy, come on in, just take a chance and shake a pin. Here's your big moment, make him cheer. Don't dilly dally, it's your big finale. Oh merde. Not quite, but very close and still so fun. Ah non! Vas-y! Just join in the song, a musical for everyone to have a lot of finny fun. Bon, c'était pas top, hein? Mais bon, c'était joli. C'était pas mal. Sora, you were amazing. Bon, faut le dire vite, hein? Papy Rabajoie, bonjour. Your Majesty, we have visitors. King Triton. I certainly hope there hasn't been a need to use that keyblade of yours. No, everything's fine. Not a heartless in sight. Your Majesty, our guests, they want to sing in the musical. Well, that sounds like a splendid idea. We may need your help after all. You see, I'm afraid Ariel's still infatuated with the human world. A busy rehearsal schedule might be just the thing she needs to stop thinking about life up on the surface. Mais oui, mais elle est amoureuse. Swim along, just join in the song, a musical for everyone to have a lot of finny fun. That's the voice I heard. I'm sure of it. Hello? Where are you hiding? I know you're the girl who saved me. Please, come out so I can thank you. Comment tu veux la remercier, toi? Calmez vos ardeurs. Ariel? That girl's acting strange again. Probably been flitting around on the surface. Oh, the Sea King's gonna have my claws for this! Come on, we gotta keep rehearsing. I'm
sorry, but I don't feel like it. No, Ariel! I've got an idea, Sebastian. You do? I know how to cheer Ariel up. Come on, follow me! Ok, comment on remonte le moral d'Ariel? Expliquez-moi tout là. C'est là. Tu veux lui montrer des objets du monde des humains, toi? Ah non, ça vient sûrement du monde des humains. Je l'ai trouvé après la tempête. Ah bah toi, a dû sombrer. Ariel va adorer, vous ne croyez pas? Mais si le roi Triton apprend ça, faire les voix de Sébastien. C'est toujours mieux que d'aller à la surface. Allez, aidez-moi à le dégager. Ok, vous allez soulever un rocher à vous trois. Impossible. Ben voilà. Faut pas exagérer non plus. J'ai besoin de la magie aimant pour déplacer la statue. D'accord, voilà, c'est bien ce que je vous disais. On manque donc de connaissances pour continuer l'aventure dans Atlantica, donc ça se fera en plusieurs fois. A chaque fois, on aura besoin de nouvelles compétences pour avancer, et on aura une nouvelle chanson à répéter. Donc on va encore avoir du Cuculant numéro 2 avec cette chanson. Donc c'est tout pour aujourd'hui ici, d'ailleurs c'est tout pour aujourd'hui pour la vidéo, je pense. La prochaine fois, on a donc le choix entre le monde d'Halloween et le monde d'Agrabah. Je sais pas lequel est dans l'ordre. Dans tous les cas, moi j'ai très envie d'aller ici. Donc si c'est le prochain, je serai très heureux. Là, il y en a un aussi apparemment. Bon, c'est pas pour tout de suite. Mais bon, on fera dans l'ordre. Donc si celui-là est avant au niveau de la difficulté, on fera celui-là avant. Mais bon, peu importe. Du coup, la prochaine fois, on se fera peut-être le chemin ensemble, la route astrale, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas vu. Et puis voilà, donc dites-moi si vous connaissez bien lequel est le suivant, mais bon, je vérifierai de mon côté, de toute façon avec le bouquin je pourrai voir lequel est le prochain. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi que la musique vous aura plu, que vous l'avez pas trop dans la tête. De toute façon, on y retournera, donc vous l'aurez dans la tête un jour ou l'autre. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois, portez-vous bien, bye bye.